Il fouilla dans le téléphone de sa victime et y trouva un grand nombre de photos de famille. On la voyait avec ses parents et une petite fille de 3 ou 4 ans qu'il identifia comme étant sa petite sœur. Alors, mu par un sentiment de toute puissance et une volonté de nuire à toute épreuve, il reprit une photo de Kaede et l'envoya à nouveau sur le téléphone de la maman avec ce message ⁇ Autour de la petite sœur maintenant ⁇ Pris d'une soudaine fringale, il sortit manger des ramen dans son restaurant préféré, emportant avec lui le portable de la victime. Tout en mangeant, il regarda à nouveau les clichés qu'il venait de prendre et fut pris d'une pulsion irrépressible, repensant une nouvelle fois aux exactions de Miyazaki. Il rentra chez lui une heure plus tard et ôta ses vêtements, venant se coucher à nouveau près du corps de Kaede. Il tenta de la violer, mais la rigidité cadavérique l'en empêcha, alors il essaya de mettre son pénis dans la bouche de la malheureuse, mais une fois encore, il n'y parvint pas, et pour la même raison. Ivre de colère, il alla chercher un marteau dans son placard et fracassa les dents du petit corps sans vie pour arriver à ses fins. Vers 17h15, il ouvrit son ordinateur et se connecta à son forum favori pour y déposer le message suivant Voilà, vous allez tout découvrir lundi ou mercredi prochain, je pense. Vers 19h45, après avoir passé un long moment près du corps de Kaede et pris de nombreuses photos, il appela la mère de la malheureuse avec son téléphone, mais ne dit rien lorsqu'elle décrocha, se contentant de respirer puis de raccrocher. Il répéta l'opération une seconde fois et voyant que la nuit tombait, il rhabilla sa victime et la chargea dans le coffre de sa voiture. Il la conduisit jusqu'au village de Heguri, dans le district de Ikoma, près de Nara. Et trouvant un endroit isolé à l'abri des regards, la jeta dans un égout et mit de vieux cartons par-dessus. Il était 20h47. Craignant avec raison que le portable de Kaede ne soit tracé par la police, que la mère avait certainement dû appeler, il avait éteint durant son trajet, mais n'y tenant plus et voulant savourer la souffrance qu'il infligeait à la famille, le ralluma avant de partir, il vit un grand nombre d'appels en absence de la mère, et alors qu'il allait éteindre l'appareil, un appel entrant du même correspondant. Il laissa sonner, décrocha rapidement, puis raccrocha, éteignit le portable à nouveau et le rangea dans son sac. Puis le plus tranquillement du monde, il rentra chez lui, écrivit un message sur son blog habituel où il laissa penser à ses followers qu'il était passé à l'acte, et alla passer la soirée et une partie de la nuit à boire et à chanter dans son snack préféré. Monsieur et Madame Ariyama, cadres dans une entreprise locale, avaient commencé à s'inquiéter vers 14h30 lorsque la maman était rentrée de la petite course qu'elle avait à faire, croyant voir sa fille aînée à la maison et ne l'y trouvant pas. Kaede était bien au parc une heure auparavant et lui avait dit qu'elle rentrait juste après avoir mangé son dessert avec son amie. Elle n'était pas du genre à traîner, était une fille plutôt sérieuse et puis, pour plus de sécurité, même dans cet endroit tranquille, on ne savait jamais, ses parents lui avaient acheté un téléphone portable. Madame Ariyama, ne trouvant pas sa fille dans le jardin ni chez les voisins, se mit en quête de la retrouver avec l'aide de quelques amis du voisinage, pensant qu'elle avait sans doute décidé de jouer avec une copine chez elle. Voyant ses femmes appelées et cherchées, le policier en faction devant le petit poste local se joignit à eux et signala la disparition à sa hiérarchie. Les recherches dans le quartier s'arrêtèrent net lorsqu'elle reçut la photo de sa fille dans un appartement qu'elle ne connaissait pas avec ces mots "J'ai votre fille." Dès lors, c'est la police préfectorale de Nara, vite épaulée par la brigade criminelle d'Osaka, qui prendra le relais et mettra un plan de recherche en place, car la règle est la même dans tous les pays du monde. Dans une affaire de disparition ou de kidnapping, les premières heures sont cruciales. Au fur et à mesure que les heures passaient, que les parents horrifiés recevaient photos et appels du ravisseur, qu'ils ne savaient pas encore être assassin, la police interrogeait tous les témoins potentiels de l'enlèvement. Deux camarades de classe de KD avaient assisté à la scène et témoignèrent de ce qu'elles avaient vu. Pour elles, c'était sûr, leur copine était montée dans la voiture de son plein gré, elle l'avait clairement vu. Par contre, et c'est bien normal, à 7 ans, elles décriront le véhicule comme étant de marque Nissan et peut-être noir ou bleu marine. Ce fut donc un avis de recherche sur ce genre de voiture qui fut lancé, faisant perdre aux enquêteurs un temps précieux. L'analyse des caméras de vidéoprotection du quartier commencera bien plus tard, nécessitant une réquisition du procureur et donc l'ouverture d'une information judiciaire qui ne vint qu'en fin de journée. C'est ce feu vert du procureur qui permettra aussi à la police de s'intéresser au traçage du téléphone de la petite KD, et après avoir vu qu'il bornait pour la dernière fois dans le village de Hegoli, d'y envoyer une équipe de recherche et de secours avant de découvrir son corps, à minuit 5, mettant fin de la plus atroce manière qui soit à l'angoisse des parents et aux recherches. Le corps de la petite victime fut envoyé à l'Institut médico-légal et la scène de découverte du corps passée au peigne fin de son côté la brigade de recherche continuait le traçage du téléphone et épluchait les bandes vidéo qui commençaient à arriver en quantité kobayashi avait désactivé la fonction gps du portable de sa victime croyant qu'ainsi il ne risquait rien à le conserver avec lui comme un trophée pour pourquoi pas s'en resservir afin d'infliger un peu plus de souffrance à la famille L'autopsie montrera clairement que la malheureuse fillette était morte par noyade, mais l'eau retrouvée dans ses poumons étant de l'eau du robinet, les enquêteurs excluront les lieux extérieurs des environs tels que lacs et rivières et se concentreront sur l'analyse de cette eau. Ils établirent vite que sa composition chimique était similaire à celle de la compagnie de distribution locale et purent déjà resserrer le champ d'investigation. Sur le corps et les vêtements de la victime, la scientifique découvrira des cheveux qui n'appartenaient pas à Kaede, ainsi que du sang du groupe B. Kaede était du groupe A dans sa bouche, arrivait là après la morsure qu'elle infligea à son bourreau. Un ADN complet fut établi, mais qui ne correspondait à personne de connu dans les fichiers génétiques criminels. Car oui, cela peut paraître irréel, mais Kobayashi, malgré ses deux condamnations et ses diagnostics des plus inquiétants, n'avait jamais fait l'objet d'aucun fichage ADN, et n'apparaissait donc sur aucune base de données, si ce n'est celle des empreintes digitales, qu'il s'était bien gardé de laisser sur place. De son côté, l'officier en charge de l'enquête, se basant sur le témoignage des enfants et la facilité avec laquelle la victime était montée dans le véhicule, et l'apparente connaissance des habitudes de l'enfant par le meurtrier, penchait pour l'acte d'un proche de la famille, un voisin ou même un parent. Alors, il orienta son enquête en ce sens et interrogea bien sûr les parents, les grands-parents et les cousins, les poussant dans leur dernier retranchement, mais il dut se rendre à l'évidence, aucun de ces braves gens n'avait la moindre chance d'être impliqué de près ou de loin dans ce meurtre sordide. Du côté de l'analyse des images de vidéosurveillance, aucun véhicule, ni noir ou bleu marine, n'apparaissait aux alentours de l'école et du parc, au moment de l'enlèvement et la brigade de recherche commençait à désespérer. Mais lors d'un énième passage dans la ruelle où avait eu lieu le kidnapping, l'officier de police en charge de l'enquête remarqua une petite caméra extérieure devant une maison individuelle et qui filmait la barrière et l'entrée du garage. Avec un peu de chance, elle aurait pu filmer la rue au moment des faits. Il obtint la réquisition des images et put enfin avoir la première bonne nouvelle depuis le début de son enquête. Sur la vidéo, en couleur, on voyait clairement une voiture ralentir, ouvrir une fenêtre, puis vers 14h, la petite Kaede montait de son plein gré dans le véhicule qui n'avait rien à voir avec une Nissan noire, mais qui était une Toyota hatchback verte. Malheureusement, le visage du conducteur n'était pas identifiable et la plaque d'immatriculation illisible. Enfin, ils avaient une description fiable du véhicule et un nouvel avis de recherche nationale fut lancé. De son côté, Kobayashi savourait sa réussite. Il avait pu réaliser son fantasme morbide et, voyant la police tourner en rond, pensait bien qu'il s'en tirerait sans problème et pourrait vite recommencer. Il pensait souvent à Miyazaki Tsutomu et le prenait de plus en plus comme modèle, même s'il avouera bien plus tard que, s'il avait apprécié son expérience nécrophile, la nécrophagie de ce dernier ne le tentait pas vraiment. Alors, tout naturellement, il reprit le chemin du travail dès le lendemain et reprit également ses petites habitudes, dont celle d'aller boire et chanter presque tous les soirs dans les snacks proches de son lieu de travail. Plein de confiance et de plus en plus isolé dans son monde tordu où il voyait sa perversion comme une norme, il parlait de plus en plus ouvertement aux hôtesses qui commençaient à le regarder différemment. Le soir du 14 décembre 2004, presque un mois après les faits, il but plus que d'habitude et montra une photo du corps sans vie et dénudé de Kaede à une des filles du snack qui, horrifiée, lui demanda comment il avait eu ça. Comprenant son erreur, il raconta l'avoir trouvé sur internet, sur le site de la police et partit précipitamment. Mais ivre de pouvoir autant que d'alcool, il commit ce soir-là l'erreur qui allait mettre un terme à son errance criminelle. Depuis quelque temps, il regardait les photos de la petite sœur de Kaede et avait échafaudé un scénario morbide autour de son kidnapping, son viol et son exécution. Sûr d'être devenu intouchable, il ralluma le portable de sa victime et envoya un SMS à la mère avec ces mots Cette fois, je viens pour la petite sœur. Puis, prévoyant de se défaire du portable par sécurité, il envoya les photos de la bibliothèque sur son propre téléphone. Il ne fallut pas longtemps à la brigade de recherche pour trianguler le téléphone de Kaede. Le meurtrier était dans le quartier de Kawaii, à Nara. Mais, plus intéressant encore, il avait envoyé un message à un autre numéro qui n'était pas celui de la famille Ariyama. Les recherches furent immédiatement lancées. De son côté, le responsable de l'enquête avait réduit le nombre de Toyota Corolla vertes dans le secteur et était tombé sur un profil intéressant, celui d'un homme deux fois condamné pour des délits sexuels sur mineurs dont une tentative de meurtre, un certain, Kobayashi Kaoru. Ne voulant pas affoler son suspect et attendant d'autres preuves matérielles, il fut placé sous surveillance dès le 20 décembre. Et bientôt, un témoignage inespéré vint apporter de l'eau au moulin de la police, celui de l'hôtesse à qui le meurtrier avait montré la photo et qui ne pouvait plus garder ça pour elle. Quelques jours plus tard, le propriétaire du téléphone à qui le suspect avait envoyé un message était formellement identifié. Encore un certain Kobayashi Kaoru. Recoupant toutes les informations, les témoignages et les photos, la brigade criminelle décida de l'arrestation du suspect pour la matinée du 30 décembre. Une unité d'intervention fut mobilisée et Kobayashi fut intercepté au volant de sa camionnette alors qu'il rentrait de sa tournée de distribution matinale. Placé en garde à vue, il fut rapidement présenté au procureur qui n'attendait qu'une chose pour le mettre en examen pour meurtre, le résultat de la perquisition. Elle ne se fit pas attendre. En fouillant l'appartement du suspect, la police y trouva le téléphone de Kaede, qui n'avait finalement pas jeté, son randoselle, c'est-à-dire son sac à dos de classe réglementaire, ainsi que son blouson, mais aussi des centaines de magazines et mangas pédopornographiques, 90 DVD du même genre, dont beaucoup totalement interdits par la loi, et dans sa chambre, plus de 80 pièces de sous-vêtements de petites filles volées dans les jardins depuis des années. Sur son ordinateur, la police trouva des centaines de messages postés sur Toutians et des codes d'accès ainsi que des confessions involontaires de certaines attaques dont il s'était rendu coupable et pour lesquelles il n'avait jamais été inquiété. Il fut mis en examen pour meurtre au premier degré, viol sur mineurs de moins de 12 ans, abandon de corps, détention et diffusion d'images pédopornographiques et agression sexuelle multiple sur mineurs de moins de 12 ans, après qu'on ait retrouvé les photos de l'agression de la petite fille de Kitakatsuragi sur son portable. Loin de nier les faits, il invoqua tout d'abord les manquements de la société et sa maladie mentale qui le rendait à ses yeux irresponsable de ses actes. Puis, voyant que la presse nationale et internationale s'intéressait à lui, commença à changer d'attitude. L'enquête fut assez facile tant le suspect se livrait à qui voulait l'entendre et en rajoutait même de plus en plus. Il n'y a juste la préméditation sur la personne de Aliyama Kaede en déclarant qu'il avait frappé à l'aveugle, que ça aurait pu être n'importe quelle autre fillette, que son seul désir à ce moment-là était de violer et de tuer examiné par des experts psychiatriques dont le célèbre professeur Yamagami à la demande de son avocat, ces derniers diagnostiquèrent à nouveau un trouble du comportement mais aussi un trouble de la personnalité antisociale et une déviance pédocriminelle pathologique. Mais au vu de la préméditation, des moyens mis en œuvre pour camoufler ses crimes et de la pleine conscience de ses actes, le juge décida de ne pas prendre en compte l'abolition du jugement au moment des faits. Il fut donc présenté devant la Cour le 18 avril 2005 pour le début de son procès, comme un accusé en pleine possession de ses moyens. Dès le début, il fit son show, se moquant totalement de la peine de la famille et du dégoût qu'il inspirait aux gens venus assister au procès. Parmi eux, il y avait beaucoup de proches, de voisins de la petite Kaédé et des familles de ses camarades de classe. Lors de la première audience, il déclara au juge qui lui demandait s'il voulait prendre la parole. Je vous demande de me condamner à mort le plus vite possible. Maintenant, je veux laisser mon héritage au monde comme Miyazaki Tsutomu et Takuma Mamoru. Takuma s'était rendu coupable du massacre de 8 enfants dans une école d'Osaka trois ans avant les exactions de Kobayashi et il le citait souvent comme modèle, mais celui qu'il tenait pour son inspirateur principal, à savoir l'otaku tueur de petites filles Miyazaki Tsutomu, lui, n'entendait pas se faire voler la vedette par ce Kobayashi. Il fit d'ailleurs passer quelques mots par le biais de son avocat où il se plaignait de ce plagiaire qui, je cite, n'avait tué qu'une seule fille. Puis, répondant à un journaliste, peu de temps avant son exécution, il déclarera Je refuse que ce Kobayashi se fasse appeler le nouveau Miyazaki, il ne m'arrive pas à la cheville et il n'est même pas fou. Bien entendu, ce genre de tergiversation malsaine entre psychopathes n'arrangèrent pas les affaires de Kobayashi qui éliminaient de fait toute alternative à la peine capitale. Elle fut prononcée par le juge Kodatetsuya de la cour de district de Nara le 26 septembre 2008. Le condamné n'eut aucune réaction outrancière à l'énoncé du verdict, se contentant de s'incliner devant le juge comme pour le remercier. Son avocat interjeta appel, mais Kobayashi le fit annuler, disant qu'il acceptait sa sentence et souhaitait l'avoir exécutée le plus vite possible. Il dira de lui qu'il savait être irrécupérable et que son instinct de prédateur était toujours présent, que si on le libérait un jour, il recommencerait car ce mal était en lui. Il y eut malgré tout des tentatives de la part d'un jeune avocat abolitionniste qui avait repris son dossier et qui déposa un recours en annulation en juin 2007 pour inconstitutionnalité de la peine capitale, mais la Cour de Nara l'invalida en avril 2008. Un mois plus tard, la Haute Cour d'Osaka confirma la sentence puis ce fut au tour de la Cour suprême du Japon le 7 juillet 2008. Kobayashi Kaoru fut exécuté le 21 février 2013 à la prison d'Osaka. Selon ses gardiens, ses derniers mots auraient été Hihi, hi, on va prendre un bain En réalité, derrière cette façade bravache et provocatrice, la réalité fut plus mitigée. Quelques mois après sa condamnation et devant les témoignages absolument déchirants des parents de Kaede, Kobayashi avait écrit plusieurs lettres pour eux et qu'il leur fit passer par le biais de son avocat, mais ceux-ci refusèrent de les prendre et on peut les comprendre, et l'avocat les conserva jusqu'en 2016 avant de les faire publier. Le condamné y disait entre autres Je sais que j'ai volé la vie de votre précieuse petite fille dans les pires conditions qui soient. J'étais en larmes quand je vous ai entendu parler d'elle pendant mon procès, mais je n'ai même pas pu vous dire à quel point j'étais désolé et voulais m'excuser pour ça. Je n'ai pas le pouvoir de la ramener à la vie ni de calmer votre peine, mais mon exécution vous fera du bien et calmera votre colère contre moi autant qu'elle lavera mes fautes. Cette atroce affaire ne fut pas sans conséquence au sein de la société japonaise. La plus anecdotique fut que le grand quotidien Manchi Shimbun mit un terme à toute collaboration avec les branches distribution de Nara et Osaka dans lesquelles avait travaillé Kobayashi. Mais au-delà de ce détail, ce fut la question épineuse du suivi des délinquants sexuels et des pédocriminels qui fut mise sur le devant de la scène et la réflexion sur l'adoption d'une loi de type Megan's Law américaine fit son chemin. Mais la Constitution et la mentalité japonaise firent que, malheureusement, les résolutions n'allèrent jamais jusqu'au bout et le Parlement accoucha de quelques textes timides, certes, mais qui vont tout de même dans le bon sens. Cela commence par le fichage génétique de tous les délinquants sexuels et aussi le partage de ces données capitales par toutes les forces de police, l'administration pénitentiaire et la justice. Un suivi post-libératoire des condamnés pour pédocriminalité et un signalement aux autorités locales a également été mis en place et semble fonctionner dans les limites de ses possibilités. Comme ce fut le cas pour Miyazaki Tsutomu, tous les projecteurs furent braqués sur la subculture dite otaku, dont la définition au Japon est très différente de celle donnée en Occident, et plus particulièrement sur les Figyo Moezoku et autres Lolikan otaku. Tel agneau sacrificiel, cette population qui n'a rien d'homogène fut jetée en pâture à la vindicte populaire et désignée comme la seule coupable de ce meurtre atroce, en dédouanant presque Kobayashi. Or, même si effectivement le meurtrier collectionnait les mangas et les animés pédopornographiques, il n'était pas un consommateur de séries normales et populaires et avoua même n'avoir aucune culture manga ni même un début d'intérêt pour ce monde. La campagne anti-otaku fut réellement violente et les tabloïds demandèrent même leur fichage pour prévenir les futurs crimes sexuels. Ce fut le député-maire de Setagaya, Hosaka Nobuto, qui calma le jeu et fit la part des choses, éclairant ses compatriotes les plus âgés et les plus hargneux sur les différents courants et les encourageant à ne remettre en question que ce que l'on appelle le lolicon, c'est-à-dire un type de production érotique et pornographique mettant en scène des enfants. Fort heureusement, ce fut fait et les horreurs que l'on pouvait trouver en toute légalité sur les étals des libraires disparurent. Les éditeurs de mangas et d'animés pornographiques se virent imposer un cahier des charges strictes quant à la représentation des personnages et leurs caractéristiques physiques, et certains d'entre eux durent mettre la clé sous la porte. J'étais encore éditeur quand cette loi est passée et je vous assure qu'elle a fait beaucoup de bien à tout point de vue. De fait, tout éditeur, même amateur, qui produisait du contenu érotique montrant des personnages prépubères tombés sous le coup de la loi. Alors même s'il reste des boutiques physiques ou en ligne qui vendent ce genre de contenu sous le manteau, la police les traque et il semblerait que cela devienne de plus en plus rare, espérons-le, en voie de disparition. Un grand ménage fut également fait sur les textboards cryptés, tout chan en tête, mais ne réussit pas à endiguer le phénomène car ces lois ne concernaient que les compagnies japonaises. Alors très vite, les délinquants sexuels, mais aussi les suicidaires, se tournèrent vers la concurrence internationale, souvent russe. En 2014, M. Ariyama publia un texte poignant, lui pourtant si discret jusque-là et d'une dignité qui força le respect de tout le pays. En voici les grandes lignes. Dix années ont passé depuis que Kaede s'en est allé, et malgré le temps qui continue sa course et nous éloigne de l'horreur des faits, ma tristesse et ma souffrance sont aussi fortes qu'au premier jour. Je me demande quelle vie elle aurait aujourd'hui, elle aurait presque fini le lycée, si son sourire serait toujours aussi éblouissant et communicatif, si elle serait toujours aussi fusionnelle avec sa petite sœur qui rêve d'elle si souvent et à qui elle manque chaque jour. Je pense que la culpabilité de n'avoir pas su protéger ma fille ne s'effacera jamais, je vis cela au quotidien et ça m'empêchera toujours d'être heureux. Tout dans la vie me rappelle ma grande fille et sa mort brutale, et sans l'amour que je porte à sa petite sœur, je serais déjà parti la rejoindre. Voilà six ans que son meurtrier a été exécuté, et même si c'est ce que nous voulions et que sa mort nous a libérés d'un poids, c'est aux funérailles de notre enfant bien-aimé que nous pensons chaque jour. Puisse aucun parent sur terre ne vivre une telle chose. Alors, 17 ans après ce drame, qu'en est-il de la pédocriminalité et de la surveillance des condamnés sur le territoire japonais S'il est une chose que cette amorce de la loi Megan a pu améliorer, c'est le taux de récidive. D'après les dernières statistiques fournies par la police métropolitaine de Tokyo en 2019, il serait de seulement 16% chez les criminels condamnés et remis en liberté grâce à la transmission de leurs dossiers dans les commissariats de quartier et leur surveillance étroite par les services de police. Un facteur a également contribué à faire baisser le taux d'enlèvement et d'agression sexuelle chez les plus jeunes, et c'est la création renforcée de comités de surveillance citoyenne, souvent animés par d'anciens policiers et qui consistent en une brigade de volontaires portant gilets et casquettes et qui encadrent les rentrées et sorties scolaires. Ils assurent la sécurité routière des enfants mais sont aussi formés à l'observation et repèrent les potentiels prédateurs rôdant autour des écoles. Pour avoir fait partie de l'un de ces comités lorsque ma fille était en primaire, je peux vous assurer que ces gens sont très sérieux et dévoués. Mais malheureusement, si ces quelques mesures et initiatives ont réussi à endiguer quelque peu les agressions, les meurtres d'enfants, eux, sont repartis à la hausse depuis 2013. Échappant à tout contrôle, puisqu'ils sont pour la grande majorité l'œuvre de primo-délinquants, ils inquiètent les autorités et forcent à réfléchir à une nouvelle stratégie. La brigade de lutte contre la cybercriminalité met les bouchées doubles sur la surveillance des forums de suicidaires qui sont un vivier pour les pédocriminels qui guettent les adolescents en mal de vivre. Cette unité d'élite surveille également de près les sites de petites annonces et forums manga et animés sur lesquels se côtoient enfants, adolescents et adultes et qui sont parfois le terrain de chasse des pires individus. Mais malheureusement, ces systèmes pointus et efficaces dans certains cas ne peuvent rien contre les prédateurs opportunistes, ceux qui ne préméditent rien et sont intraçables sur Internet et absents des abords des écoles. Ce sont ces criminels qui ont alourdi les statistiques de ces dernières années et n'oublions jamais que derrière ces chiffres, il y a des drames humains irréparables. Ainsi, je prendrai en exemple l'année 2014 qui a connu un triste record et confirmé cette hausse avec, le 11 septembre, la disparition de la petite Ikta Mirei, 6 ans, à Nagataku près de Kobe, alors qu'elle rentrait de l'école. Elle sera retrouvée morte le 23 septembre dans une forêt non loin de son domicile, son corps découpé en morceaux et emballé dans des sacs plastiques de supermarché. Son meurtrier, un homme de 45 ans, sera retrouvé et arrêté deux mois plus tard grâce à la police scientifique qui a tracé les empreintes de pneus retrouvées sur place, les téléphones qui avaient borné dans le secteur et les caméras de vidéoprotection des commerçants environnants. Des mangas et des DVD de pornographie infantile seront retrouvés chez lui en quantité. Deux jours avant la disparition et le meurtre de la petite Mireille, c'est une collégienne de 12 ans qui a été enlevée lorsqu'elle rentrait chez elle à Yatimata. Forcée à monter dans une voiture par un individu qui la menaçait avec un couteau, elle sera séquestrée et violée à son domicile et devant une caméra, puis relâchée une heure plus tard. Malgré les menaces de mort, la victime ira immédiatement porter plainte et son agresseur de 25 ans sera très vite arrêté. Là encore, la police retrouvera plus de 50 DVD d'animés et de films pédopornographiques et une centaine de mangas prohibés mettant en scène des filles en uniforme de collège. Deux mois plus tôt, le 14 juillet, dans la ville de Kolaski, une petite fille de 11 ans a été enlevée alors qu'elle sortait de l'école par un homme qui a fondu sur elle comme un rapace et l'a jetée dans son coffre devant les yeux sidérés de sa mère. La malheureuse sera retrouvée au domicile de son ravisseur à Tokyo quatre heures plus tard grâce au GPS de son téléphone et au numéro de plaque relevé par la maman. Le ravisseur, un chômeur de 49 ans qui vivait du trafic de livres et DVD de pornographie infantile avait eu le temps de la violer et de prendre photos et vidéos qu'il avait déjà eu le temps de vendre sur internet. La même année, le 11 février, une fillette de 11 ans disparaissait à Sagamihara alors qu'elle promenait son chien. Elle réapparaîtra quatre jours plus tard se présentant dans un commissariat de quartier et conduira la police à l'arrestation de son ravisseur. Là encore, un homme de 30 ans, marié et père de famille, fut arrêté et condamné pour le rapt et le viol de l'enfant, et la police retrouva à son domicile DVDs et mangas prohibés mettant en scène de très très jeunes filles. Cette année-là, ce furent 1679 cas de violences sexuelles sur mineurs qui furent recensés dans tout le pays, et ce chiffre ne varie pas énormément depuis, atteignant même des pics inquiétants en 2019. Alors, au vu de ces crimes et de ceux qui les commettent, il n'est pas farfelu de faire un parallèle entre la possession de DVD et de livres pédopornographiques et le passage à l'acte qui peut en résulter, il convient de se poser une question légitime pourquoi et comment ce genre de publications peuvent-elles encore exister la loi du 15 juillet 2014 prévoit un an de travaux forcés et un million de yens d'amende, environ 8000 euros, pour tout possesseur de ce genre d'image, même numérique. Et dans les faits, bon nombre de contrevenants ont été condamnés les premières années d'application. Mais voilà, comme dans tous les pays et pour toutes les lois, certains ont trouvé les moyens de contourner ces textes et certains avocats s'en sont même faits les spécialistes par exemple le texte légal précise que sont interdites je cite les images fixes ou animées qui mettent particulièrement l'accent sur les parties sexuelles de l'enfant alors les éditeurs clandestins gomment ou floutent ces parties en particulier et se couvrent en cas de problème il en va de même pour les éditeurs de films qui, connaissant le potentiel économique de ce secteur, engagent des actrices de tout juste 18 ans mais qui en paraissent beaucoup moins pour être sûrs de ne pas avoir d'ennuis mais axent toute leur communication en mentant sur cet âge supposé et en proposant des jaquettes qui affirment que les actrices sont mineures. Ce marché qui joue avec la légalité représente un volume de 300 à 350 000 DVD par an et une manne financière importante. Sorti peu à peu de la clandestinité à cause de quelques affaires jugées et gagnées par ses éditeurs, cette forme de vidéo pour adultes apparentée au Lolican refait peu à peu son apparition sur les étals des magasins et dans les boutiques en ligne. L'ambiguïté terrible que ces productions représentent, et ceux le plus légalement du monde, pousse les associations de parents et le législateur à se poser des questions et à envisager une refonte actualisée de cette loi. En 2019, j'ai assisté à une table ronde avec une association de parents de victimes et des représentants de la police et du gouvernement, et entendu un grand nombre de mesures qui ne me semblent pas irsutes et qui pourraient, à terme, protéger les enfants des prédateurs. Celle qui a le plus retenu mon attention et que j'aimerais beaucoup voir voter est celle visant à interdire le port d'uniformes scolaires dans les productions pornographiques et érotiques. En effet, l'association de cet élément de costume lié à l'enfance avec des mises en scène sexuelles propres aux adultes ne peut être qu'un facteur qui, s'il ne pousse pas forcément le spectateur vers la pédocriminalité, peut l'y conforter s'il est déjà atteint de ce type de déviance. De nombreux éditeurs classiques de vidéos pour adultes ont déjà supprimé ce genre de contenu de leur catalogue et ne tournent plus qu'avec des actrices de plus de 21 ans et sans aucun signe pouvant rappeler l'univers scolaire. C'est une belle avancée, et il serait souhaitable pour tous qu'une telle loi soit votée au plus vite. Bien sûr, il va falloir que les réseaux de vente fassent eux aussi leur travail et purgent leur catalogue de ce genre d'horreur, mais la vénalité humaine peut faire craindre quelques retards dans ce processus vital. Le député Hosaka a fait un bon travail d'information suite à l'affaire Kobayashi, réussissant à faire faire le distinguo entre otako et pervers criminels et en braquant les projecteurs vers ce monde jusqu'alors méconnu de la pornographie infantile légale. Il semblerait que les mentalités aient évolué depuis ces quelques années et l'on voit de plus en plus de parents signaler aux autorités un fils trentenaire qui colle de drôles de posters sur ses murs et collectionne des mangas étranges. Vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me tient à cœur et dans lequel je suis investi depuis longtemps. Qu'il n'y ait pas de méprise, ce n'est pas un combat contre la pornographie, contre laquelle je n'ai absolument rien. Au contraire, vous en trouverez même dans mes productions passées, mais bien contre l'exploitation sexuelle des enfants, de leur représentation et de la diffusion dramatique de telles images qui conduisent malheureusement trop souvent à des drames horribles. Tout le monde se rappelle de cette horrible histoire comme de l'affaire Kobayashi. Je préfère pour ma part en retenir le nom de Kaede qui, je l'espère, donnera un jour son nom à une loi efficace contre ces horreurs comme la petite Megan Kanka le fit aux États-Unis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être mis au courant de toutes les sorties. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip ou en faisant un tour sur la boutique Satsudin, où vous trouverez mes livres, le CD des musiques de la chaîne, T-shirts et goodies. Venez me retrouver sur mes réseaux sociaux pour suivre mon actualité, Twitter, Instagram et Facebook. Et si vous voulez bénéficier davantage de petits cadeaux et de lives privés, rejoignez l'unité Satsudin. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Rejoindre en bas de cette vidéo. Je vous quitte, une foule de dossiers m'attendent. Matane Yo, 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 African chance là Kaki fly, si t'es y'a 「カキフライ星人の侵略」「カキカキカキカキカキフライ」「広島レペゼンカキフライ」「カキカキカキカキカキフライ」 2050年の地球カキフライによる犯行が多発しまくって僕のかけがえのない命が失われた感じっぽいんでこれはなんとか戦意か思って立ち上がった刑事たち飛ぶカキフライ走るカキフライ人を食らうカキフライおぞましい光景人の頭にかぶりついて食われた怨念を晴らす人類とカキフライの全面戦争 カキフライものこさず食べなさもないと不安もないとやらないとたくないと大量のカキフライ政治によってお前は大あなたも大コンテ面と月1000円カキフライ政治の侵略カキカキカキカキ,キ,キフライ広島でプレゼンカキフライ 残さず食べちゃって <Yeah> 腹いっぱいになっちゃって、はい、カキフライパーティーでパンティー残しちゃったお前は狙われて逆にカキフライに頭が出られる、yeah、て僕の子んとこにずっとこにされてしまった 泣くけビーン逃げ場のう女たちやにカキフライをつけたまんま生活を儀なくされた男たちああもうこうなったら全面戦争じゃ目やら立ち上がらんかい,い刀を持て銃を持て出会いを揺れて挨拶をせんかい女ら行くでカキフライ成人の侵略カッカッカッカキカ,キカ,キカフライ キフライカキカキカキカキフライイェイイェイみんな調子はどうだカキフライ食ってるか <Yeah. S 3> カキフライには栄養満点だ必ずよく火は通すようにイェカキは柿もレンジーズじゃない